Nostradamus affirme qu'il y a des armes en Arctique et que ces armes apporteront les eaux par le nord de l'Europe. Nous devons reconnaître que l'Arctique est le théâtre de manœuvre de pratiquement tous les pays de l'OTAN. La présence de l'OTAN dans cette région a pour but d'influencer la Russie et la Chine. La Russie et la Chine font également partie de ces manœuvres afin de garder leur suprématie territoriale. Nostradamus nous prévient d'un drame mondial qui doit se passer en 2028. 2029 sera l'année du néant, à la fois alimentaire et du manque de toutes choses, abris, vêtements, médicaments, nourriture. Tout se passera en moins de 7 heures. Il faut au moins écouter ces avertissements. Beaucoup de personnes me reprochent de faire peur aux gens. D'autres me disent « mais il faut nous prévenir ». C'est ce que je fais, j'essaye de prévenir tout le monde. Mais c'est très difficile de contenter tout le monde. Sachez qu'il vous reste 4 ans pour mettre de la nourriture de côté, de préparer de quoi vous réfugier dans les hauteurs. Faites-le, c'est impératif. Voici maintenant la révélation. Je désire remercier Samuel qui se trouve dans les îles comme la Martinique et la Guadeloupe, qui nous a aidé financièrement, qui nous a fait un don. Je remercie également Pierre Guichard qui nous a commandé 30 mètres cubes de planches. Voilà, donc nous attaquons la construction des abris dans quelques semaines, c'est-à-dire à partir de l'été. Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez le faire en m'écrivant dans la boîte mail qui se trouve sous la vidéo dans la boîte de description. Laissez-moi votre numéro de téléphone, je vous rappellerai pour vous expliquer les conditions pour la construction de ces abris et participer au stock de nourriture, de vêtements chauds et de couvertures. Maintenant, voici la révélation. Voici maintenant la ligne numéro 2 du quatrain numéro 5 de la 6e centurie. La ligne est soulignée en jaune, c'est cette ligne qui va être décryptée. Voici maintenant la ligne numéro 2 du quatrain numéro 5, par pluie longue le long du pôle arctique. Le pouvoir par cet art des mots, ce sera le pouvoir de cette lecture brillante. J'ai eu les yeux longuement sur les eaux et abondamment la neige. J'ai eu la naissance des eaux, c'est longtemps, vous aurez la neige. Je vous aide par ce devoir pour le pouvoir du pôle. À cause de cela, les eaux iront sur les chaudières, les marmites, les industries, les centrales nucléaires. Ce sera les aléas des armes en arctique. Tu as de cet art des mots la recette. De cette connaissance, tu doutes de ce cryptage. Ce sera la volonté de voir la menace. Ces usages d'expression existent et doivent être séparés. Le pouvoir par cet art, ce sera le pouvoir de lecture. Sous les yeux, vous aurez longuement la pluie et la neige abondante. Voici maintenant les analyses qui ont permis d'obtenir ce texte. Vous aurez à peu près 14 secondes pour arrêter le texte afin de bien l'analyser.